camarade. Chez moi, c'est pas de la jalousie, si je me sens aussi. Entre la mure et tes micro-sûres, les bambous, c'est enquêté. J'en ai tapé des bambous pour être numéro un. Il chantait même Jacu, le front sous les ricains. Pour être encore l'idole, comme autant des copains. Moi je vais taper le bambou pour être numéro un. Je vais taper le bambou pour être numéro un. Et je suis là, et je soigne mon cœur. Les hommes me trouvent plein de trous, mais les femmes me trouvent. Je connaissais le nom du salaud, a écrit cette rengaine. Je l'enverrai à Waterloo, bien à Sainte-Hélène. Si Napoléon n'était pas mort, est-ce qu'il serait d'accord? Il y a comme un malaise dans cette combine. Qu'en penses-tu, Joséphine? François, je vais te dire, t'es encore en retard de deux guerres et quoi, même de deux, hein. Parce que tu sais, chez nous, hein, ma collègue Jean-Gold, il a déjà fait ça, hein. Mais je dois dire que ma collègue, elle dit toujours que ça ne fait pas te tracasser si ça va mal aujourd'hui, parce que demain, ça sera encore pire. Eh bien, écoutez, mon cher François, je vous l'avais bien dit avant de partir, comme quoi les Belges étaient en avance sur nous pour beaucoup de choses, sauf peut-être du côté bambou à pile, comme vous l'a dit mon cher Gainsbourg précédemment.